Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la basilique Saint-Pierre que nous nous retrouvons cet après-midi pour un temps de prière des cardinaux. Vous savez que ces cardinaux sont réunis depuis lundi matin en congrégation générale afin de réfléchir ensemble aux questions qu'ils souhaitent aborder dans leur discussion en vue de choisir le prochain successeur de Pierre. Pas encore de date connue ni choisie, semble-t-il, pour l'entrée en conclave. Manifestement, les cardinaux souhaitent se laisser tout le temps nécessaire à leurs échanges et pas de précipitation. Donc des cardinaux qui commencent depuis aujourd'hui à restreindre assez nettement leurs relations également avec les médias. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Lombardi, a souligné tout à l'heure qu'il ne s'agit pas dans ces congrégations générales de ce qui se passe ordinairement lors d'un colloque ou d'un synode, mais que le chemin que suivent les cardinaux nécessite aussi la sérénité et la tranquillité d'esprit. Et ces cardinaux ont donc choisi de se réunir cet après-midi, n'ayant pas de séance de travail prévue. Ils ont choisi d'avoir ce temps de prière en commun avec l'exposition du Saint-Sacrement, un bref temps d'adoration. Puis ce sera la prière des vêpres du jour et enfin la bénédiction eucharistique. Cardinaux qui ont vécu ce matin leur quatrième congrégation générale, quatrième temps de travail. Ils sont déjà 51 à s'être exprimés devant leurs frères. Ils s'expriment simplement par ordre d'inscription pour ceux qui demandent la parole et ont 5 minutes à leur disposition pour parler aux autres. Les cardinaux qui néanmoins, en vue d'intensifier leur travail, ont prévu de se réunir demain et le matin et l'après-midi. Nous nous préparons donc à entrer dans cette prière des cardinaux, dans cette basilique Saint-Pierre. Recueillis, mais qui témoignent aussi tous de la grande sérénité qui les habite tout en étant parfaitement conscients de la gravité de la décision qu'ils doivent prendre. On commence ce temps de prière avec les mystères glorieux du rosaire. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secondo mistero. L'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, l'ascensione du Seigneur au ciel. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Terzo mistero. La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Troisième mystère glorieux, la descente du Saint-Esprit au Cénacle. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Quarto mistero, l'assunzione di Maria al cielo. Quatrième mystère glorieux, l'assomption de Marie au ciel. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Quinto mistero. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Cinquième mystère glorieux. Marie est couronnée reine du ciel et de la terre. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Oh.
Après ce temps de prière des mystères glorieux du chapelet, les cardinaux vont maintenant vénérer le Saint-Sacrement, temps d'adoration préparé ici par le sacristain de la sacristie pontificale. Temps d'adoration qu'ont souhaité les cardinaux cet après-midi avant de prier l'office des vêpres.
dans ce temps d'adoration silencieuse, seulement troublé par le bruit des appareils photo, au pied de l'autel de la chaire de pierre, alors que les cardinaux présents adorent le Christ présent dans le Saint-Sacrement, nous pouvons nous unir à leur prière avec celle qu'a composée le cardinal Comastri, qui conduit la prière de ce soir et qui est dite depuis le début de la vacance du siège à chaque première messe dans la basilique Saint-Pierre, dans cette basilique Saint-Pierre. Seigneur, avant de quitter notre monde, tu as dit à tes apôtres, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Nous sentons ta présence rassurante et nous sommes certains que tu demeures toujours à la barre de la barque de l'Église et que tu la conduis d'une main ferme au milieu des tempêtes de l'histoire. En ce moment d'attente, envoie ton Esprit Saint afin qu'il éclaire l'esprit des cardinaux dans le choix du successeur de Pierre, qu'ils choisissent celui auquel tu as pensé, celui que tu as désigné pour conduire aujourd'hui ton troupeau. Vierge Sainte, tu as prié avec les apôtres au Cénacle et attendu avec eux l'effusion de l'Esprit Saint. Prie avec nous et pour nous et obtiens-nous le don d'une nouvelle Pentecôte de ferveur, d'enthousiasme et de joyeuse obéissance à l'Évangile de Jésus. Amen. Deus in adiutorium meum intende.
Thank you.
Tremore vestra salute me operamini, Deus testenim, qui operatur in vobis. Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant, car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochable et pur, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache.
Potente te providente me exultemus, ipse citonia quibus indice te populus sus, servul nos primum de regno suo sollicitos, ideo acclamemus. Adveniat regnum tuum et justitia eius. Pater Sancte, cui Christum ut pastorem animarum nostrarum dedisti, ad esto pastoribus et populis eorum diligentiae creditis, negregit desit curat pastoris, neque pastoribus obedientia gregis. Christi
Christianos, ut fraterna pietate infirmis auxilientur, et ipsi filio tuo in iis subveniant. Fac ut nondum evangelio credentes ecclesiam tuam ingrediantur, e anque bonis operibus semper edificent in caritate. Da nobis peccatoribus veniam a te impetrare, et simul reconciliari cum ecclesia tua. Presta, ut defuncti ad vita transeat aeternam, et semper te cum commorentur. Pater noster, presta quesumus Domine, u per quadagesimalem osservantiam eruditi, et tuo verbo nutriti, santa continenza et ibisimus toto corde devoti, et in orazione tua semper efficiamur concordes, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Oremus. Deus qui nobis su sacramento mirabili, passionis tue memoria reliquisti, tribe quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui, sacra misteria venerari, ut redentionis tue fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Angelis solis et in sanctis solis.
Ainsi s'achève ce temps de prière avec adoration eucharistique et prière de l'office des Vêpres qui a rassemblé tous les cardinaux présents ici à Rome devant ce décor plus qu'évocateur de l'autel de la chair de pierre surmonté de la colombe du Saint-Esprit. Les cardinaux qui se retrouveront donc demain matin à partir de 9h30 pour la cinquième de leur congrégation générale. Il y en aura une autre demain après-midi également pour intensifier leur travail. Alors vous avez pu les apercevoir sur ces images, voir la densité du recueillement manifeste au cours de ce temps de prière. Merci à tous ceux qui nous ont permis de le vivre en direct, en particulier Antoine-Marie Isoar et nos confrères de l'agence Immédiat et nos confrères du Centre télévisé du Vatican. Très bonne soirée à toutes et à tous.